Quand je t'ai arrêté il y a 20 ans, je m'en souviens. Tu n'étais qu'un gamin. Je t'avais presque arraché l'oreille, et pourtant, le nom d'Urseller auquel tu devais vendre le poste de radio et la montre que tu avais volée, tu ne l'as jamais avoué. Bien sûr, c'est un engrenage, on ne peut plus parler, sinon, c'est des resellers qu'il faut absolument se débarrasser. Tu sais pourquoi je leur en veux? Ces salauds ne risquent rien, mais ils en récupèrent tout le bénéfice, et de plus, ils n'ont pas de casier judiciaire. Donc, c'est la Banque d'Amérique que tu représentes. Écoute, je voudrais préciser que je ne connais pas du tout cet homme. Qui êtes-vous? Monsieur Bagolini? Oui, pour vous servir. Lancez-moi ça dans le fleuve, près d'un pont. Ça fera un cadavre de plus que la police repêchera Yannette. Pourquoi parlais-tu en russe? Parce que je parlais à l'éditeur européen des romans de Kouniakov. Il révélera beaucoup de côtés obscurs de la vie et de la politique soviétique. La carte grise. Brigadier, ne me faites pas perdre de temps. Je suis l'inspecteur Giraldi, chef de section à la brigade anti-vol. Eh ben, faites-moi voir votre carte. Et pendant ce temps-là, ce fils de pute aura pris le large, brigadier. Et qui me dit que le fils de pute, ça n'est pas vous? Je vous ai prié de sortir. Mais qu'est-ce qui arrive? Dis donc. Appelle un docteur, monsieur Rousseau peut avoir une rechute.